Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur la Loire. Donc aujourd'hui, on va pêcher en dérive au vif avec des appâts. Donc c'est la première vidéo sous mes nouvelles couleurs parce que j'ai récemment intégré le team DAC4. Donc voilà, on va pêcher au vif, en dérive tranquillement. Et puis suivant comment les poissons répondent, peut-être qu'on pêchera au leurre souple, à l'ondulante, on verra. Allez, c'est parti, on va faire de la touche. Là, on vient de commencer la partie de pêche. J'ai laissé partir le vif dans une veine d'eau. Et puis, ça n'a pas mis de temps. Elle a fait un petit écart. Elle s'est fait chasser. Et puis, voilà. C'est pas un monstre, mais c'est un petit poisson. Plutôt sympa. Impeccable. Parfait, ça. Oh, il est abîmé, hein. Voilà, je vous présente le premier poisson du tournage, plutôt sympa. C'est pas un gros, mais bon, ça fait toujours plaisir. Allez, on va en faire d'autres. Putain, ils sont débiles, ils prennent. T'as vu la touche? Il est parti, il a lâché direct. Pas possible, ça. Pris. Ah. Pas vilain. Bon, voilà, après deux postes sans rien toucher. C'est des postes avec beaucoup d'eau et en ce moment, il y a des grosses remontées de migrateurs, donc coup les poissons ils sont sur les plaquets. Et puis là il n'y avait pas beaucoup d'eau, là on pêche dans 150 d'eau, donc du coup ce que je disais, ça se confirme, c'est que les poissons ils sont dans pas d'eau. C'est sympa là, belle petite touche. Donc voilà la petite canne Battle Cat en 2,70 avec son action de pointe progressive. On voit bien la grosse réserve de puissance sur le premier tiers du blanc et puis une pointe assez souple. Un joli poisson. C'est joli ça. Thank you.
c'est fou dans la plaine. En pleine eau, ils mordent pas. Y'a que sur les plaquets qu'ils bouffent. Deuxième poisson, on a bien galéré hein, parce que deux postes vides, donc celui-là il fait bien plaisir. Donc on va le remettre à l'eau gentiment et puis on va continuer. Allez go! Comme une balle. Voilà, déjà c'est un peu plus solide je pense. Les poissons ils sont éparpillés, dérivés dans un mètre d'eau. C'est remonté vite, très très vite sur le côté. Ça a l'air beau. Voilà l'avantage encore d'avoir des grandes cannes pour pêcher loin, enfin surtout pour ferrer. On a plus d'amplitude. Et un moulinet surtout avec un bon ratio parce que pour récupérer le mou, je l'ai vu, je ne sais pas ce que ça donne. À la même taille que l'autre. C'est pas grave, ça fait plaisir. La pêche est pas facile. Ils sont magnifiques ces poissons là. Ils sont gris là, avec une tête bleue là. Parfait. Pas que les gros dans la vie. Celui-là mérite une toffe. Avec la tête comme ça là. Voilà, troisième poisson, dans les mêmes gabarits, voilà. Ils sont tous magnifiques ces poissons-là. Les poissons de Loire là, avec une tête bien grise, dans les 150, 160, bien épais pour la saison. C'est pas facile, donc on est content. Allez, on le remet à l'eau. On verra dans la journée après. T'es prêt? Comme une balle. Ah, c'est n'importe quoi. Bon bah après la pause déjeuner, on a rattaqué tranquillou. Petite dérive sur les plaquettes de sable toujours. Et puis une autre touche. Ça a pas l'air énorme mais c'est pas grave. On se fait plaisir. Toujours avec la Battle 4 de 70 avec son action de pointe que vraiment pas mal. Voilà, petit poisson, petite triquette. Tout jaune. Jaune, jaune, jaune. C'est cadeau.
mon beau. Il va me faire mal, je le sens. Vraiment une ragnole. Un petit poisson d'après la pause déj. Allez, on le remet à l'eau. On va réaborder un premier poste. On a fait déjà quelques poissons. Donc moi, c'est simple, j'essaye d'arriver dans le plus discrètement possible. Je vais en amont du poste au moteur thermique, puis je mets mon moteur électrique et puis j'arrive sur le poste sans faire de bruit. Donc là, on est sur une cassure de sable, on passe de 50 à 1,50 m. Donc je vais arriver sur mon poste sans bruit grâce au moteur et à l'aide du courant. Une fois sur le poste, grâce au moteur électrique, je me mets en ancrage. Et puis là, on va procéder à des dérives successives, s'il n'y a pas de touche, tout en gardant le bateau ancré, parce que comme c'est une zone morte, le bateau il va pas bouger. Je vais laisser filer mon flotteur sans le retenir, parce que c'est important que le vif il agit dans l'eau le plus naturellement possible. Et puis souvent, la touche survient tout de suite, comme ça. Oh la touche! Il a pris. Il l'a. Oh la touche! Oh la... Tu l'as vu la touche? Il a lâché. Ah, c'est des gros ça. Salopard. Tu connais pas ça? Ouais, je vais faire un gros. Ça, regarde bien. We better stop the war. Très gros, ça se secoue dans tous les sens. Petit poisson, voilà, 4e ou 5e poisson, je sais plus, c'est pas des gros, les gros sont tatillons avec la chute des températures, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Tant qu'on fait du poisson, on passe un bon moment, c'est parfait. Allez, on va le remettre à l'eau. C'est plus gros ça. Ça a l'air plus joli. Oh là là, t'as vu? On a réussi à déclencher une touche qu'on a ratée. Et là, bim! On enchaîne les touches là. Ah, ça se secoue fort aussi. Ça n'a pas l'air d'être un monstre non plus. Ah, c'est bizarre. Oula, c'est remonté comme une balle. Oh, faut se méfier. C'est bizarre. C'est pas le même. Et plus gros déjà.
Bon. Un peu plus joli. On va y arriver, hein. As-tu fini ton cinéma? Putain, le fait d'avoir à décrocher un poisson, t'as vu? Comment ça déclenche l'activité? Allez, salut gros! Ah, celle-là, elle est bien. Je te l'ai dit. Ah, il tape quand même dedans. Donc là, on a bougé de poste. C'est un tout petit poste avec pas d'eau, pas beaucoup d'eau encore. Puis un petit groupe de silures, donc je m'écarte pour essayer de pas trop affoler le groupe. Comme on est pendu. Gros vif, pas gros silure du coup. C'est bon? Voilà, encore un autre petit poisson, toujours au flotteur. Voilà, sur un petit poste encore. Les gros sont encore très méfiants et puis ils n'ont pas trop faim. Hein. Avec la chute de température, on est passé d'une eau à 19 degrés à 13 en 2-3 jours. Du coup, ils sont un peu plus durs. Mais bon, on s'amuse avec les petits. Allez. Bon, bah fin de cette journée de pêche. Bilan plutôt positif parce qu'on a réussi à faire de souvenirs 8 ou 9 poissons. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout qu'il y avait une grosse chute de température, on est passé de 19 degrés en 3 jours à 13, donc voilà, plutôt compliqué. Ma foi, on s'en est plutôt bien sorti, on a fait du poisson, c'était pas mal. Bah, je suis très heureux de vous avoir présenté cette première vidéo Black Cat, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres surtout. Allez, à très bientôt, ciao.